Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers lecteurs et téléspectateurs de guinematin.com, bienvenue dans la grande interview. La grande interview est le rendez-vous qui traite de l'actualité politique, économique, sociale, sportive, culturelle de la Guinée et d'ailleurs. Cette émission, sans complaisance, nous la voulons pour vous et avec vous, car de tout cœur, nous tenons à vous proposer des informations vérifiées. C'est pourquoi Guinée Matin répond à vos préoccupations en essayant d'être le plus proche de vous. Depuis 7 ans, notre aventure continue avec vous et nous vous remercions infiniment. Grâce à vous, aujourd'hui, guinematin.com est le meilleur site de la République de Guinée. Pour continuer à être plus proche de vous, nous innovons, nous prenons en compte vos préoccupations. Et c'est ainsi que nous lançons ce talk show en live qui nous permet de parler avec nos invités des inédits, des opinions, des appréhensions et prendre en compte vos avis pendant 60 minutes chrono et vous aurez l'occasion d'interroger en direct notre invité. La grande interview, c'est aussi le rendez-vous des lecteurs et téléspectateurs. Ainsi, nous mettons à votre disposition le 621 44 06 32.
Nous choisirons vos messages les plus pertinents pour les poser à notre invité. La grande interview, c'est avec vous tous les samedis à partir de 14h en direct sur guinematin.com et sur nos canaux digitaux. Pour ce premier numéro, nous visons grand, nous vous proposons Eladja Sellou d'Alain Diallo, le président de l'IFDG. Avec lui, nous parlerons de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Nous reviendrons sur les annonces judiciaires dont font face les hauts cadres et militants de son parti, l'UFDG. Le bras de fer entre lui et le président Alpha Condé, la recomposition de l'opposition et la situation économique de la Guinée. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission que nous co-animons avec Bachir Silla du site guinéeco.com. Bachir, bonsoir. Bonsoir, monsieur le président, bonsoir aux téléspectateurs de Guinée Matin. Je reprécise guinéeco.info et non .com. Merci et ça vous fait quoi d'être la première personne, la première personnalité à être invitée dans une première émission d'un site web. Écoutez, c'est pour vous encourager à continuer à diffuser la bonne information, à susciter le débat. N'oubliez pas que l'absence de débat est source de conflit. Et à cet égard, je dois admettre que Guinée Matin a beaucoup fait depuis les 7 ans. Et c'est pour féliciter et vous encourager pour le travail exceptionnel que vous êtes en train d'accomplir que j'ai accepté d'être, je dirais pas la cobaye, mais en tout cas être là pour cette première émission. Pour vous féliciter pour le travail que vous faites, et bien, déjà beaucoup avant moi ont reconnu que vous étiez l'un des meilleurs, sinon le meilleur site de Guinée. Félicitations et je vous encourage aussi, je vous félicite pour cette innovation, cette nouvelle émission que vous êtes en train de lancer aujourd'hui avec moi et j'espère qu'elle va enregistrer le même succès que le site lui-même. Monsieur le Président, on précise souvent, Président de l'UFDG, vous avez déclaré après les élections du 18 octobre que vous êtes le Président élu. Où en est-on dans cette histoire? Est-ce que vous êtes à l'aise quand vous dites Monsieur Sellou d'Alain, le principal opposant? Écoutez, d'abord la proclamation des résultats. Nous avons pu nous organiser, faire d'abord une campagne exceptionnelle que vous avez su, parce que je pense que vous nous avez accompagnés. Vous avez vu la mobilisation suscitée par mon passage dans les préfectures de la forêt, Parana, Tissibouz, Élekoré, Massanta, Kikidou, Lola, Yomou, un peu partout. Nous sommes bien, parce qu'ici, par expérience, nous savons que la forêt ne toujours dans le bureau de vote. La fraude se fait souvent dans les centralisations. Et nous l'avons pu le constater et le mettre en évidence lors des élections locales. Donc nous sommes organisés pour gagner les élections. Nous avons bénéficié du vote sanction infligé à Alpha Condé pour son bilan désastreux et pour les promesses non tenues en Haute-Guinée où la majorité des électeurs s'est abstenue. Pour bénéficier aussi léché par le bilan du troisième acteur. Nous avons gagné et nous avons eu les prix et nous les avons mis à la disposition du public. Donc, nous sommes venus là-dessus avec 84. Vous savez, comme la CENI, les deux institutions, ont proclamé M. Alpha Condé vainqueur et pour faire passer l'ordre, il a réquisitionné l'armée de façon officielle et il a multiplié et renforcé les PA et on a abattu 47 de nos militants qui étaient en train de se réjouir de cette victoire de l'UFDG et il a déclenché d'autres violences contre l'UFDG. Moi j'ai été séquestré chez moi avec interdiction absolue de sortie ou d'entrée dans mon domicile, aussi bien pour moi-même que des personnes de visiteurs extérieurs. On a envoyé des gendarmes, des policiers, des périrouges occuper mon bureau et mon siège. Et on a
arrêté près de 400 de mes militants et des proches collaborateurs comme je ne sais pas, Gava, et d'autres jeunes qui venaient d'adhérer à l'URDG comme Ismaël Condé, Mali Sans Frontières, et pour les punir de ce qu'on a considéré comme cette trahison. Donc nous sommes actuellement victimes d'exactions extraordinaires. Ceci dit, nous défendons la vérité des hommes, ou mais tout simplement la vérité tout court. Jusqu'où vous êtes prêt à revendiquer cette victoire? Parce que comme vous le dites, les institutions habilitées, la CENI, la Cour constitutionnelle et même la communauté internationale semblent avoir adoubé M. Alpha Condé. Jusqu'où vous êtes prêt à revendiquer une victoire? Nous allons continuer à dénoncer le hold-up et à défendre la vérité des hommes, jusqu'où. Bon, malgré le dispositif que vous avez mis en place, il y a quand même une certaine opinion qui pense que vous êtes allé à ces élections à vos risques et périls, parce que le fichier électoral était corrompu aux yeux de certains. La Cour constitutionnelle a vu le départ de quelques façades dans les conditions que l'on sait. Et les gens, quand même, vous avez vu d'être allé à ces élections, surtout que vous avez boudé les législatives de mars. Oui, d'abord, on va rectifier deux choses. L'opposition politique a été exclue des législatives. Elle n'a pas boycotté les législatives. Ça, c'est un malentendu qui revient, qu'il est important de le dire. Je vous rappelle. Lorsque Alpha Condé a engagé la CENI dans la préparation des élections législatives, nous avons protesté pour dire finissons des élections locales. Les élections locales, c'était trois étapes sur la base de la même élection. La commune, le quartier ou le district, puis les conseils régionaux. Lorsque Alpha Condé s'est rendu compte qu'il perdait les régions et qu'il perdait une bonne partie des quartiers et des districts où il a nommé les chefs de district et les chefs de quartier, ils ont décidé, en violation flagrante de la loi et d'une décision de la plus haute juridiction du pays, en l'occurrence la Cour suprême, de ne pas installer les conseils de quartier et les conseils régionaux. C'est une violation flagrante. Ça avait commencé, ça avait été stoppé. Donc c'était d'abord déjà illégal. C'était contraire aux les élections législatives, parce que vous avez entamé des élections locales. On s'est mis d'accord comment les organiser de manière à faire le maximum d'économies en utilisant les élections locales pour installer les élections communales, pour installer les conseils de quartier. Ils ont refusé. C'est une violation que l'opposition politique ne condamne pas suffisamment parce que certains partis n'ont pas intérêt à cette mise en place des conseils de quartier et des conseils de région. Deuxièmement, nous nous sommes quand même embarqués dans la préparation des élections législatives. On a participé malgré tout à la révision du fichier. Au terme de la révision du fichier, on nous affiche un corps électoral de 8 300 000 électeurs pour une population de 12 millions d'habitants, soit un ratio population électorale sur population totale de 68%. Le ratio le plus élevé dans la sous-région, c'est le Sénégal, 41%. La Côte d'Ivoire, c'est 31%. Nous-mêmes, en 2017, c'était 39%. Un audit avait déjà mis en évidence l'existence d'électeurs problématiques, on peut appeler fictifs si vous voulez, de 3 millions. Maintenant, lorsqu'ils affichent les 8 300 000, les 3 millions n'étaient pas venus se présenter conformément à la règle établie consensuellement au niveau du comité de suivi. On avait dit, lorsque les gens ont fait l'audit, ils ont dit, ah, il y a 3 millions de problématiques. On a dit, comment dit, c'est simple. La prochaine révision, on demande à tous les électeurs de venir se présenter et de se faire arborer sur la base d'un cahier de charge uniforme. On a admis ça. On a commencé la révision. Et au terme de la révision, la CENI dit qu'elle n'a pas de base légale pour sortir les 3 millions qui ne se sont pas présentés. Néanmoins, ils ont les 500 000, ils les enlèvent. Donc, il restait 2 500 000 qui ne s'étaient pas présentés. Ils disent qu'ils ne les enlèvent pas. Nous avons fait des réunions à mon siège. Il y avait tous les partis politiques membres du FNDC. Parce que ça, on a fait en dehors des organisations de la société civile. On a décidé de nous battre pour que le fichier soit assaini. Parce que les 2 500 000 qui restaient, c'était des fictifs à nos yeux. Donc on a dit qu'on suspend notre participation au processus législatif jusqu'à ce que le fichier soit correctement assigné. Donc on a décidé de suspendre notre participation au processus.
Il y a eu l'envoi des experts de la CEDEAO. Non, attendez, j'arrive. Écoutez-moi, parce que c'est un malentendu qu'on est en train de lever. Okay. Donc, on a suspendu notre participation au processus jusqu'à ce que le fichier soit assigné, que les 2 500 qui ne devraient plus être là, conformément aux recommandations pertinentes de la mission d'audit conduite par l'Union européenne, l'OIF et les Nations unies, soient appliquées. Ils ont dit que ça prendra laisser, qu'il faut les 2 500. On a commencé à manifester pour exiger que le fichier soit assigné. Après, arrive l'OIF en tant qu'assistant technique à la CEDEAO. Elle décèle que les 2 500 000 sont toujours dans le fichier, qu'ils n'étaient pas venus se recenser et ils avaient déjà été identifiés lors de la révision du fichier intervenu en 2018. Dit que le fichier n'est pas bon. Alpha Condé a décidé de les renvoyer et elle a fait venir une autre équipe d'experts de la CEDEAO. Je reviens sur la parenthèse et là je vais choisir les membres de cette mission. On a protesté, ils les ont changés. Lorsque les experts de la CEDEAO arrivent, ils disent vraiment il y a 2 500 000 d'électeurs problématiques. Alpha se présente à la télé. Lui-même, il n'a pas fait faire un communiqué par la CENI. Il dit bon, les experts de la CEDEAO ont dit ça. Compte tenu du respect que la Guinée a pour l'Afrique, les organisations régionales et continentales, il va accepter de reporter de 3 semaines les élections et il va sortir les 2 500 000 fictifs, mais l'opposition ne fera plus partie. C'est ça que les gens ont décidé par le président de la République lui-même, de sa bouche. Or, le motif pour lequel on avait suspendu notre participation, c'était l'existence de ces 2 500 000. Mais vous n'avez pas réagi pour dire qu'on a l'intention d'aller et que le chef de l'État veut nous. Non, le chef d'État a décidé que ça ne concerne que ceux qui étaient déjà dans le processus. Et vous n'avez pas protesté. Si on a protesté, on a dénoncé que c'est une. Nous avions le droit de choisir, de boycotter, parce qu'entre-temps, il avait décidé de coupler les législatives au référendum. Mais il devait nous reconnaître nos droits, puisqu'on a eu raison sur lui, que les 2 millions étaient des fictifs, il ne peut pas dire qu'il les sort. Et qu'on n'a plus le droit de participer. On n'avait plus, et on dit qu'ils ne rouvrent pas ce dossier. Donc c'est une exclusion, parce que c'est notre droit de participer à une élection et de boycotter le référendum. Mais il a dit, en tant que président de la République, que nous n'avions plus ce droit. Donc c'est une exclusion, parce qu'on nous a privé du choix. Si on voulait boycotter, d'aller dire, bon, amenez vos dossiers, maintenant que vous avez eu raison, même si on ne reconnaît pas qu'on a raison, maintenant que le fichier est assaini, nous étions prêts à examiner ça. Certains d'entre nous auraient participé. Et vous êtes allé aux élections, Alpha Condé est déclaré vainqueur, vous avez déjà fini les étapes de protestation, c'est terminé, vous gardez juste le fait d'avoir dit je suis vainqueur, ou bien vous avez autre chose à proposer pour revendiquer cette victoire? Écoutez, il y a cette victoire, mais il y a un problème. Pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Lorsque la séparation des pouvoirs n'est pas effective, lorsque l'indépendance des institutions n'est qu'à l'heure, et que tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du tyran, qui a réussi, il l'a rappelé, à dégager Kelly Fassal, parce qu'il avait une certaine indépendance, qu'il a poussé à dire qu'il était contre le tripatriage de la Constitution. Et que le président, le second mandat était le dernier du président. Mais automatiquement, il a pris des dispositions pour les vencer. C'est en cause. Ce n'est pas seulement la victoire de l'UFDG. C'est la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Les principes et les règles de ces valeurs sont en permanence violées. Qu'est-ce que les Guinéens font face à ça? La vérité des urnes n'est pas respectée. Les droits humains ne sont pas respectés. Nous sommes en face d'une dictature impitoyable qui est en train, par la violence et par la corruption, de dévoyer ces valeurs. Qu'est-ce que les Guinéens font? C'est ça la question. Parce que nous nous sommes engagés en politique pour contribuer au débat et pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, à mener des réformes courageuses pour que les Guinéens puissent
bénéficier de meilleures conditions de vie. Malheureusement, avec ce blocage, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de respect des droits humains. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà la question qui ne concerne pas que l'UFDG, mais tous les démocrates, tous les progressistes, tous les Guinéens soucieux de l'avenir et de la Guinée et des bonnes conditions d'existence des citoyens doivent s'interroger. Qu'est-ce qu'on fait? Justement, mais il se trouve que l'UFDG est la première victime qui a ces responsables, vous l'avez rappelé, et militants qui sont incarcérés. Il y en a qui estiment, vu l'ambiance actuelle des prisonniers qui écrivent au président, qui demandent pardon et qui se font libérer, est-ce qu'il y a une possibilité que l'UFDG accepte sa victoire du président pour permettre à ces cadres de se faire libérer? La capitulation n'est pas UFDG. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas jouer le jeu d'Alpha. En dehors de toute base légale, ils arrêtent nos militants, mes collaborateurs. Ceux qui sont en liberté n'ont pas le droit de voyager. Nos locaux, les bureaux, le siège sont occupés, fermés, occupés par l'armée. Vous voulez qu'on écrive pour demander pardon, pour récupérer nos bureaux, nos droits et libertés de voyager, et la libération de nos prisonniers? C'est des hommes politiques avertis qui sont en prison. Ils savent qu'ils sont victimes de l'arbitraire. Vous savez qu'ils souffrent. On a senti de leur côté l'envie quand même de négocier. On a vu la lettre de Ousmane Gawal et compagnie, la tribune. Non, c'est pas dans la tribune. Attention, là aussi il y a une déformation à laquelle la presse a contribué. Ils ont dit cette tribune, c'était clair. Ils ont dit nous sommes innocents. Nous avons toujours mené notre combat politique dans le respect des règles et des principes républicains. Il y a trois parties. Première partie, nous sommes innocents. Ensuite, ils ont lancé un appel au magistrat et à l'exécutif de mener l'instruction dans cette direction de leur libération. Parce que s'il y a un procès juste et équitable, c'est évident qu'ils vont être libérés. Et si cela arrive, ce serait un gage d'ouverture et de décrispation. Et eux-mêmes pourraient contribuer à l'ouverture d'un dialogue inclusif et constructif. Et vous êtes d'accord avec eux, si ça arrive, c'est un gage de... Ils ont dit que ce serait un des éléments, un élément. Et vous êtes d'accord avec eux? Mais ça peut être un élément. C'est la preuve pourquoi, lorsque le conseil politique du parti s'est retrouvé, parce qu'on a rappelé, lorsqu'on a fait une déclaration pour dire qu'on les soutient, et que même que la question du dialogue se discutera au niveau de la direction du parti. Et cette direction s'est retrouvée. On a dit qu'on ne peut pas commenter le projet de dialogue tant que eux, ils sont détenus avec nos militants. Tant que les locaux abritant le siège et les bureaux du président sont fermés et occupés par l'armée, tant que les droits et libertés de mes collaborateurs et de moi-même et mon épouse sont suspendus, qu'on ne fera pas de commentaires. Que le dialogue, tant que cette situation prévaut, ne sont pas concernés par le dialogue. Et c'est ça la position de l'UFDG. Vous disiez tout à l'heure que l'UFDG n'est pas prêt de capituler, mais comment vous jugez le comportement des autres partis alliés, vos anciens partis alliés au niveau, par exemple, du Front National de la Défense de la Constitution? Je pense notamment au parti de PADES, de Dr Ousmane Kaba, ou bien de Hubert de Faya. Comment vous jugez le comportement? Nous n'avons pas à juger le comportement d'un parti. Chaque parti garde sa souveraineté. Lorsqu'il y a des exactions, lorsqu'il y a la violation de la loi, des droits humains, c'est chaque parti qui sait s'il dénonce. Normalement, lorsqu'on est dans une opposition républicaine, dans une opposition... C'était votre nom il y a... Oui, non, je parle de ça parce que c'est les valeurs. Une opposition se bat pour le respect des règles et des principes de la démocratie et de l'état de droit. Lorsque ces règles et principes sont violés, on doit les dénoncer. Dénoncer le pouvoir qui les viole, quelle que soit la victime, que ce soit ses propres militants, que ce soit un autre citoyen qui n'est même pas militant du parti.
cette solidarité manque parfois. Les exactions que nous subissons, les violations des droits humains dont nos militants sont l'objet, sont parfois ignorées par certains qui sont dans l'opposition. Je pense que c'est un devoir patriotique de dénoncer chaque fois que les droits de l'homme sont violés, quelle que soit la victime, quel que soit le parti auquel ils appartiennent. Parce que lorsqu'on est dans l'opposition, même lorsque on est parti politique, on doit œuvrer pour la défense de ces valeurs-là. Et lorsqu'elles sont violées par le pouvoir en place, lorsqu'on est opposant, on doit s'empresser de condamner énergiquement cette violation des principes de règne de la démocratie ou des droits humains. Monsieur le Président, il y a des familles de victimes et des personnes arrêtées qui se posent des questions. Jusqu'où est prêt à aller le président de l'UFDG? Écoutez, je me bats pour le triomphe de la vérité. Je me bats pour le triomphe de la démocratie et de l'état de droit dans mon pays. Je suis venu à la politique par conviction. Dieu m'avait donné l'opportunité d'occuper tous les postes nominatifs. Directeur, directeur général, ministre, premier ministre. J'ai décidé de venir en politique pour défendre des valeurs, pas nécessairement pour chercher un poste. C'est vrai que les réformes amenées qui auraient pu apporter le changement et répondre aux attentes des Guinéens supposaient que l'exécutif soit entre les mains de quelqu'un visionnaire, de quelqu'un impatriote, qui peut mener les réformes nécessaires permettant d'améliorer les conditions de vie des Guinéens et d'instaurer une démocratie exemplaire dans notre pays. Je suis venu pour ça. Et donc, ce combat, je le continue. Parce que, en termes de démocratie, la Guinée n'a fait que reculer. En termes d'état de droit, le pays recule. En termes de droits humains, le pays recule. Regardez, j'ai parlé tout à l'heure d'un manque de solidarité au niveau de l'opposition. Pendant ce qu'il est convenu d'appeler les violences post-électorales, 47 jeunes à fleur de l'âge, alors qu'ils se réjouissaient de la victoire de leur candidat, ont été abattus sur l'axe. Ces crimes sont niés par les autorités. On ne parle pas de justice pour eux. Je veux bien que chaque fois qu'on a ôté la vie d'un citoyen, qu'on s'intéresse, y compris le policier qui serait mort dans le train, mais il y a 47 autres qui ont été abattus, personne n'a parlé. C'est la négation même du crime. Ce n'est pas juste. Tous les partis politiques, toutes les associations devraient exiger la justice. On les tue, on leur refuse le droit à la justice. Ça, c'est des choses qui auraient pu réunir l'opposition. Parce que tout le monde fait que c'est les forces de défense et de sécurité et mandatées par Alpha qui est venu, soi-disant, pour mettre l'ordre. Et ça, c'est des problèmes. Alors, notre combat, tant qu'il y a ces pratiques rétrogrades, inhumaines, notre combat de l'UFDG va continuer. En faisant quoi? Vous allez... Mais nous sommes en train de dénoncer la mauvaise gouvernance dans toutes ces manifestations. Les jeunes de l'UFDG demandent qu'on reprenne les manifestations. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Alors, il faut d'abord savoir pourquoi. Parce que là aussi, il y a quelques malentendus. On a toujours présenté les manifestations dans les rues et sur les places publiques comme des actes de violence de l'opposition ou du FNDC, de l'ANAD. C'est un droit constitutionnel. Chaque fois que le gouvernement a voulu accepter l'exercice de ce droit, parfois on a dit vous n'avez pas besoin d'encadrer, on encadre. Il n'y a pas eu de violence. Aucun usager de la route n'a été offensé. Aucun riverain n'a été agressé. Mais lorsqu'ils décident de réprimer, parce que lorsque Alpha est effrayé par la marée humaine qui prennent les rues, donc donne de tirer pour les disperser. Ça, c'est illégal. Et jamais il n'a voulu qu'une enquête ne soit diligentée pour identifier les auteurs de crimes. Or, l'impunité encourage la récidive. On y a près de 250 personnes jeunes abattues pendant les manifestations. Aucune enquête, aucune sanction, même administrative. Parce que lorsque on fait des manifestations, on encadre,
Et les zones sont reparties par les responsables, entre les responsables de la police et de la gendarmerie. On n'a jamais interpellé un responsable de ça pour dire, bon, si vous ne pouvez pas prouver qui a tué, vous êtes sanctionné administrativement. Jamais, c'est l'impunité totale. Et parfois même, ceux qui font preuve de zèle, ils bénéficient de promotion ou de prime. Et c'est cette impunité-là qui vous effraie, vous n'allez plus manifester? Non. Je dirais pourquoi les jeunes, je reviens à la question, merci de me ramener, pourquoi les jeunes ont demandé les manifestations? Je donne quelques exemples. C'est vrai, nos cadres sont en prison. L'instruction est terminée depuis longtemps. On attend. Ils sont privés de la chaleur de leur femme. Ils vivent dans des conditions impossibles. Beaucoup d'entre eux sont malades, hospitalisés. D'autres morts. D'autres sont morts. Quatre sont morts. Le gouvernement Alpha ne se presse pas. Il veut que lui écrive pour lui demander pardon. Il a gracié à cette heure. Attendez. Je viens. La justice ne fonctionne pas. C'est lui la justice, même ceux qui ont écrit. Lorsque la justice ne fonctionne pas, si on te condamne comme Grenade à 10 ans de prison, il te reste le seul recours. C'est un jeune militant qui l'écrit à Alpha, pardonne-moi. La négociation est menée, les engagements sont pris. Bon, tu quittes l'UFDG, tu sors, bon, on va faire ça. Mais les autres, les cadres, mes proches collaborateurs, Ousmane Garal, Chef Bar, Chef de Baldé, Ablaye Baye, très très malade, mais à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'ils meurent là-bas, tranquillement. Parce qu'ils font partie de la force de l'UFDG. C'est symbole. C'était visible dans l'action, dans la communication du parti. On les arrête. On les met là, sans motif, en les appliquant des infractions de fabrication, de détention, stockage d'armes de guerre, d'atteinte à la sûreté intérieure pour qu'ils renoncent au combat. C'est un chantage. Est-ce que c'est un chantage qui a eu raison? C'est pas fini, je reviens. Maintenant, nous, nos bureaux sont occupés. Il n'y a pas d'acte administratif. Il n'y a pas de décision de justice. C'est un fait qu'ils disent, allez fermer les bureaux, occupez-les. Ils font n'importe quoi actuellement dans notre siège. N'importe quoi, c'est n'importe quoi. Attendez. Les arrières, non, nous, on est républicains, malgré tout notre combat, on reste républicains. On saisit la justice. La justice vous dit qu'elle est incompétente. À l'international, la confiscation de nos passeports et le refus de nous autoriser à voyager, il n'y a pas de base légale. Puisqu'il n'y a pas de décision de justice. On nous dit, la justice dit qu'on est compétent pour le passeport de ses loups, pour ses bureaux et pour ses. Parce qu'Alpha le fait ainsi. Tant qu'il n'y a pas de justice, tout est ramené au niveau d'Alpha. Il faut que vous alliez, il faut que vous abdiquiez, vous résignez, vous reconnaissez des fautes qu'on vous attribue que vous n'avez pas commises et pour demander pardon. Parce qu'on demande pardon en général. Parce qu'il n'y a aucun autre recours. Les jeunes sont frustrés par ça. Il y a 8 mois que les gens sont en prison. Les pères de famille qui n'ont rien fait que de faire la politique dans les formes appropriées. Les bureaux sont fermés en disant la justice est incompétente. Il faut qu'on s'adresse à Alpha, on dit pardon, corrompt, libère nos bureaux. On ne peut pas faire ça. Donc il faut qu'on attire. La manifestation, c'est une forme, une manière d'attirer l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur une situation d'injustice. Vous êtes prêt à l'organiser? Eh bien, nous sommes en train d'examiner. Parce qu'il y a un contexte. On avait suspendu les manifestations à raison de l'état d'urgence sanitaire. Les jeunes estiment qu'on ne peut plus attendre puisque la justice ne fonctionne pas. Nos gens, on a fini l'instruction depuis combien? Plus de 3 mois. Il n'y a pas de procès. Nos locaux sont occupés. La mobilisation aussi n'était pas grande. Les manifestations n'avaient pas été dites. Dites à Fakonde d'autoriser les manifestations. Vous allez voir. Il ne peut pas m'entourer. J'ai pu mettre 2 millions de personnes dans l'arrêt. Puisqu'il n'autorise pas, vous suspendez, vous... Non, on a suspendu. Vous ne tentez pas, vous n'essayez pas. Nous sommes en train d'examiner l'opportunité et les modalités d'organiser des manifestations. Mais on ne peut pas rester assis comme ça et nous soumettre au dictat du tyran. Vous comptez le faire avec qui? Je pense par exemple au FNDC qui était... Le FNDC peut organiser une manifestation quand même.
vous le savez. Qu'est-ce que vous parlez? Nous sommes ouverts à travailler avec les partis d'opposition, les organisations de la société civile qui sont dans l'opposition effective. Sa question, c'est peut-être de savoir est-ce que le FNDC existe toujours, est-ce qu'on peut compter sur le FNDC? Nous sommes plus membres du FNDC, mais je pense que, je ne sais pas, je pense qu'il existe. Je vois des déclarations signées du FNDC. Je pense que Sidia Thuvier, Kouyatier et Ali Ouba sont toujours du FNDC, sont dans le FNDC, même si j'entends moins d'autres personnes. Vous pensez à Sidia? Oui, pour on peut miser sur lui pour organiser de manière personnelle. Je pense que Sidia est dans l'opposition, effectivement. Vous dites que l'ancien maire de Kindia, Ablaye Ba, est très malade. Ça ne peut pas jouer, ça ne peut pas faire bouger les lignes, ça ne peut pas vous amener à reculer. Reculer quoi? Peut-être accepter la victoire de Alpha pour faire libérer ses prisonniers. Non, pas du tout. Même Ablaye Ba, la dernière fois que j'ai eu l'opportunité d'avoir ces nouvelles, c'est de rester ferme. Non, c'est un combat à énorme. Il ne faut pas reculer, il ne faut pas abdiquer, c'est leur position. Il y a quand même des jeunes qui quittent le parti, Alpha Boubacar, Tchangel. Qui quittent la politique même. Oui, mais en tout cas qui s'éloignent de l'UFDG. Et ça vous fait quoi? Rien. Ils étaient très proches de vous. Oui, mais écoutez, ils gardent leur liberté. Est-ce que vous sentez de la part du pouvoir une volonté de démolition du parti? Oui, ça c'est clair. Je vous ai expliqué tout ce que nous sommes. Et vous pensez que c'est possible? Que quoi? En recrutant votre entourage, vous pensez que... Vous savez, l'opposition est difficile. Hein? Moi, je comprends. Lorsqu'ils sont venus m'informer qu'ils voulaient arrêter la politique, je n'ai pas fait d'objection. Parce que je sais que être de l'UFDG n'est pas facile, souvent pour quelqu'un. Mais on doit se réjouir que depuis 2010, il y a peut-être 4 cadres qui sont partis. 4, c'est rien. C'est des gens qui contribuent à la lutte, mais à un moment donné, ils décident de dire bon, je vais arrêter la politique, pour faire quelque chose. C'est le droit. Et il n'y a pas de conflit. Alpha Condé revendique 40 ans de combat dans l'opposition. Ça vous fait quoi de voir des jeunes qui n'ont pas 10 ans dans l'opposition partir? C'est pas membre de conviction? Mais Alpha Condé lui-même, il a connu des défections. À un moment donné, c'est 17 membres de son conseil politique, de son groupe politique qui sont partis, qui ont fait dissidence. Ça arrive dans les... C'était quand déjà? Je ne sais plus la date exacte, mais je me souviens à un moment donné. C'est avant son arrivée au pouvoir? Bien sûr, c'est difficile. Les gens ne quittent rarement le parti au pouvoir. Mais lorsqu'il était dans l'opposition, pourquoi est-ce qu'il a décidé de législative et tout ça? Il y a eu beaucoup qui sont partis. Il y a eu 17 membres éminents de son conseil qui ont fait des silences. Alors, la lettre de Gawal et compagnie, ne craignez pas qu'il y ait des recrutements au sein de votre entourage, ceux qui sont surtout en prison. Vous avez parlé de Ablaye Ba, mais peut-être que tout le monde n'est pas déterminé comme Ablaye Ba. Ceux-là avec lesquels j'ai eu des contacts indirects à travers la famille nous encouragent à faire preuve de fermeté de ne pas. Il y a des risques. Avec Sylvie Gabé, Ousmane Gawa. On ne voit pas de voix discordante pour le moment, en tout cas des messages qui me parviennent. On va parler d'économie. Quel regard vous portez en tant qu'économiste sur l'économie guinéenne actuellement? Il y a deux aspects. Il y a les chiffres. Et puis la réalité que vous vivez, vous et moi, nos frères, nos cousins. Est-ce que vous recevez des pressions lorsqu'on pense que l'économie est bloquée? L'économie est bloquée. Maintenant, on va afficher des taux de croissance de 7%. Il faut l'expliquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la croissance du PIB. Le taux de croissance actuel, c'est une augmentation. Est-ce qu'il réaliste? Le taux de croissance actuel pour... Oui, il est possible qu'il soit réaliste. On va l'expliquer légèrement. Avec plaisir. Le taux de croissance, tout le monde le dit, est d'accord que c'est tiré par les exportations de bauxite. Comme dit tout à l'heure, nos exportations de bauxite sont passées de 15 millions de tonnes en 2015 à 80 millions de tonnes en 2020.
est une richesse importante, née de cette exploitation de la ressource. Mais qui ne profite pas à la population. Effectivement, alors c'est ça qui est là le problème. Alors, déjà, la contribution du secteur minier, prenons au budget de l'État, supposant qu'il était bien géré, parce que c'est un instrument de solidarité nationale, le budget, mais c'est aussi à partir du budget qu'on fait des investissements, qu'on assure le fonctionnement et qu'on essaye de financer les secteurs porteurs de croissance, mais également les secteurs sociaux, l'éducation, la santé et autres choses. Alors, la contribution le secteur minier est très faible dans le budget de l'État. Avant, si vous prenez CBG, que je considère comme une entreprise citoyenne, pour chaque tonne de bauxite exportée, elle payait au total 10 dollars à la Guinée. Aujourd'hui, les nouvelles sociétés nées après l'arrivée de Alpha Condé, c'est moins de 4 dollars la tonne. Non seulement le premier à AMR, oui, ça c'est des chiffres, je suis à la radio, chaque personne ne peut démentir. Et, mais en plus, récemment, le Fonds monétaire a fait une évaluation. Mais quand vous dites qu'elle paye aux alentours de 4%, il n'y a pas. Non, 4 dollars. 4 dollars, là où la CBG payait 10. Oui. Comment des négociations comme ça, vous expliquez ça? Je vais expliquer un peu. D'abord la fraude, enfin, il y a les guichets officiels, il y a les guichets non officiels, parce que vous connaissez bien que la corruption est endémique dans notre pays. Ça enrichit le blanc, c'est qu'il décide d'accorder des exonérations. À quel niveau ça se fait? Attendez, je viens. Ceux qui décident, la corruption, c'est lorsqu'un fonctionnaire qui a le droit de décider reçoit de l'argent pour ne pas prendre la bonne décision ou pour prendre une décision qui arrange un autre citoyen d'une autre société. C'est ça la corruption. C'est-à-dire on achète la corruption. Alors, je veux dire que ils ont légalisé en quelque sorte des exonérations qui ne sont pas prévues par le code minier. Alors, lorsque tu discutes avec les décideurs, vous mettez d'accord qu'on va t'exonérer de cet impôt et de cette taxe. Ils font une convention, ils légalisent, ils envoient à l'Assemblée qui approuve. La majorité approuve. En Guinée, ça se négocie où? Au ministère? Alors, où est-ce qu'il y a qui décide ici dans ce pays? Vous savez qui décide? C'est le gouvernement qui décide. Alors, à sa tête le président, enfin. Oui, bien sûr. Je ne demande pas à ce président. Vous pensez qu'il est au courant de ces détails? C'est très difficile de prendre une décision comme ça sans qu'il soit au courant. Je ne sais pas, mais je sais que c'est des avantages des passe-droits qu'on achète par la corruption. Et que lorsqu'on décide de donner plus que le code minier a prévu comme avantages fiscaux à une entreprise, en général, l'entreprise paye quelque chose. Alors, on a évalué, le fonds a évalué, c'est que le manque à gagner de l'État sur les impôts et taxes que paye le secteur minier, ça représente une année, 7% du PIB. Les exonérations ad hoc octroyées en dehors du code minier. Le Fonds monétaire ou qui a calculé ça? Le Fonds monétaire. 7% du PIB. Une année entière de recettes douanières. Sous Alpha Condé, il y a eu le code minier, la révision du code minier, il y a eu l'adoption d'une loi contre la corruption, il y a eu l'adoption d'une loi même contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Selon vous, comment lutter contre les flux financiers illicites? Attendez, d'abord deux choses. Il ne s'agit pas de prendre des textes de voter de loi pour lutter contre la corruption. Le texte peut être bon, mais le régime d'Alpha repose sur la corruption et la violence. C'est les deux outils. La violence, c'est la corruption. C'est sévère comme... Oui, mais c'est sévère, mais c'est ça la réalité. La corruption et la violence. Lorsque j'ai essayé de dire comment, pourquoi on n'arrive pas à la contribution du secteur minier faible, mais les entreprises sont exonérées du paiement de beaucoup d'impôts.
Et ensuite, il y a la sous-facturation. Lorsqu'ils facturent, vous regardez actuellement les compagnies minières, puisque la taxe d'exportation est assise sur les factures de la bauxite à l'extérieur. Il y a des entreprises qui facturent à 15 dollars la tonne, il y en a qui facturent à 31 dollars la tonne. Alors, naturellement, c'est sûr que lorsque vous sous-facturez, vous avez des complicités pour accepter ça aussi. Et parfois, ça se paye. Et c'est au détriment du trésor public. Okay. Mais je suis content d'apprendre qu'Alpha a dit d'auditer. Après mon intervention à l'Assemblée générale, auditer le régime fiscal accordé aux entreprises minières. Okay. Vous connaissez le nombre de conventions fiscales que la Guinée a avec l'étranger ou les multinationales? Je n'ai pas ce chiffre. Combien de conventions? Pratiquement toutes les sociétés minières actuelles, chacune a une convention particulière ou des incitations pour être parlé bien entre guillemets ou des exonérations. Je disais récemment un communiqué de la Direction nationale des impôts qui demandait aux entreprises multinationales qui sont en Guinée, qui ont des conventions fiscales avec l'État, qui ne sont pas passés par l'Assemblée nationale à se rapprocher de la direction. Est-ce que vous pensez que c'est une manière de vouloir assainir la chose? Il n'y aura jamais les résultats. Vous savez, ici, on a décelé beaucoup d'anomalies, beaucoup de détournements. Ça n'aboutit pas. C'est le système qui repose sur ça. Ça n'aboutit pas. Pour arriver à déceler un détournement, il y a eu beaucoup de cas, même lorsque ça commence à la publicité, et personne n'est interpellé. Vous pensez qu'il y a des hommes forts dans le système qui le font, ou bien c'est la personne du chef de l'État qui peut être... Mais c'est un clan. Il y en a qui sont là pour défendre le régime. Ils se disent, bon, voilà, vous êtes bien pour ça. On vous confie une régie financière ou on confie une responsabilité, on ne vous demande pas des comptes. Si vous faites preuve de zèle vers la défense du troisième mandat, vous êtes acquitté de vos obligations. Ça veut dire que Alpha, après avoir eu son troisième mandat, il semble qu'il veut sévir. Mais c'est très difficile, c'est des complices du troisième mandat. Vous pensez que le président ferme plutôt les yeux, mais il n'est pas au courant peut-être de tout ce qu'on fait? Je ne sais pas, mais la priorité qu'il se fixe, et les critères de choix des cadres, c'est d'abord la défense de son pouvoir. Parce qu'Alpha souffre de deux choses, son pouvoir, de manque de légitimité. Et ça, il est obligé, s'il respecte les règles, la loi, les règles et les principes de la démocratie, de l'état de droit, mais il perd tout de suite le pouvoir. Donc c'est en violant ces principes et ces règles, c'est en violant la loi, qu'il survit. Et les gens qui l'aident dans cette entreprise, il ne peut pas les poursuivre. J'ai dit, lorsque ces derniers temps, tu étais responsable d'une entreprise publique, d'une gestion financière, le premier compte que te demande, si tu fais preuve de zèle dans la lutte pour la promotion, dans la promotion du troisième mandat, tu finances des mamayas, tu vas dans ta ville d'origine, tu ramènes tout le monde, tu fais de tout le monde le RPG. C'est ça qu'on te demande. Ce n'est pas ta gestion. Je crois que à un moment donné, ils ont voulu déclencher des audits ici. Je ne sais pas si c'était à l'initiative du Premier ministre, mais on a dit de bloquer. Parce que les personnes qui étaient visées, c'était des piliers de la délinquance électorale et de la chose. C'est ça, le régime ne peut pas être un régime vertueux. On avait parce que lorsque vous avez le déficit de légitimité, vous n'avez pas le peuple avec. Vous êtes obligé de corrompre et l'armée, et la police, et la gendarmerie pour qu'ils soient avec vous. Et vous êtes obligé aussi de fermer les yeux devant la délinquance financière, surtout lorsqu'elle provient des gens qui sont actifs dans la défense de votre régime. C'est ça, le système. Aujourd'hui, vous critiquez quand même ce régime Conco a corrompu, mais vous-même, c'est ce qu'on disait de vous, vos adversaires estimaient que vous vous êtes enrichi dans les différents départements ministériels. Vous pensez que ça a toujours existé en Guinée? La corruption existe toujours. Mais moi, je suis fier de ma gestion, des résultats que j'ai laissés.
mais on ne va pas rester là. Comme Alpha Atana Salah, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, il faisait ça. Donc moi, lorsqu'on l'écoute... Il a dû avoir mené des audits. Oui, il n'a qu'à payer. Il prouve que... Non. Il n'y a aucun audit qui prouve que Serif Dalin a détourné quoi que ce soit. Le tout le rapport d'audit, le plus gros, c'est 500 pages. Vous ne dites pas qu'il fait une menace de... La seule accusation, fausse, heureusement, portée sur moi dans ce rapport d'audit, c'est dire que dans la vente de Guinée, moi j'ai vendu Air Guinée à Elhadj Mohamed Sylla sans appel d'offres. Or, tout le monde sait ce qui se passe. Et je me suis opposé de toutes mes forces à cette transaction. Elhadj Mohamed Sylla le sait, là. Mais dans ce rapport d'audit, il n'y a que ça. On a. Depuis longtemps, on a essayé d'utiliser mes collaborateurs. Je ne suis pas un homme d'argent, je suis un homme d'honneur. Mes collaborateurs qui sont avec moi le savent. Je n'ai jamais mis en évidence. Pour vous accabler, vos adversaires mettent souvent en avant cette histoire de Guinée, on parle des rails, on parle de celui dans le meilleur investisseur au Sénégal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez, vous êtes là, vous êtes journaliste, c'est une notion. J'ai bénéficié du corridor de la paix. Lorsque j'ai accepté l'inacceptable en 2010, le résultat proclamé, le MEDES m'a proposé de me donner le prix au corridor de la paix. Parce que cette acceptation a préservé la paix en Guinée. Non, attendez, ne faisons pas. C'est un ministre qui l'a dit. J'ai les membres rencontrés, j'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Tu sais bien que moi, je ne suis pas le meilleur investisseur. J'ai bénéficié et j'ai eu beaucoup de prix pour avoir accepté l'inacceptable. Lorsque les résultats du deuxième tour ont été prononcés en 2010, Ban Ki-moon m'a appelé le même jour, secrétaire général, pour me féliciter. Il m'a adressé une lettre vraiment très élogieuse et il m'a invité chez lui, à son bureau de connaissance. Je suis allé avec Ousmane Gawade Fodiosso. C'était ça, pour avoir accepté l'inacceptable, pour préserver la paix, c'est ce prix qu'on m'a donné en Dakar. Maintenant, lorsque je suis venu sur la scène politique, j'ai provoqué une recomposition. Chaque parti qui était là a payé. Les résultats, c'était le premier tour, 44%. Vous comprenez? Naturellement, il faut me discréditer. Il faut expliquer ce succès. Mais ce succès, c'est parce que pour beaucoup de Guinéens, j'étais un bâtisseur. Sous point de concert, les routes qui sont là, je ne peux pas revenir sur mon bilan. Justement, au niveau des routes actuellement, comment vous trouvez le secteur routier ou la gestion du secteur routier? Vous êtes un usager de la route. Il y a un ressortissant de Télémélé ici, demandez-lui. Comment aujourd'hui, pour envoyer une tonne de riz à Télémélé? Alpha Condé avait 10 km de route bitumée à Télémélé depuis 60 ans. Ça, ce n'est pas la commune urbaine qui est importante, c'est l'accès au marché. C'est-à-dire comment le producteur de Télémélé peut envoyer ses barrés à Kindia ou à Conakry. C'est ça. Le confort de la ville, le bitumen, ça vient en seconde priorité. La priorité, c'est comment rendre praticable en toute saison la route qui désenclave le pays. Aujourd'hui, c'est entre Kindia et Télémélé. Il y a eu un changement d'itinéraire à cause de la construction des barrages de Kaleta et de Soapiti. Il y a quand même un nouvel tracé. Oui, nous sommes en train de parler de l'ancienne route n'existe plus. Quelle ancienne route? L'ancienne route qui dit à Télémélé. Est-ce que Soapiti à Télémélé, la route est bonne? Non. Besoin des travaux de Soapiti ont fait qu'on a fait la route pour arriver au barrage. Bien. Mais après ça c'est dans le cadre de Soapiti. Oui. Alors donc ça, ce n'est pas... Je te regarde, quel est le réseau qui marche aujourd'hui? Peut-être Zéré Kouréyou. Peut-être Dixine Kalande, Zéré Kouréyou, Beyla Kerouané, Kerouané Kankan, l'abbé Mali, l'abbé Touké, l'abbé Koubia. Mais ça, il n'y a pas de route. Aucun, le réseau routier n'a pas été entretenu. Toutes les ressources publiques étaient mobilisées pour financer le troisième mandat. Le double, triple scrutin qu'on a eu en 2020, Alpha est fier de nous dire, voilà, moi je suis la Guinée, un pays souverain, j'ai tout financé. Le budget d'investissement a été exécuté à 5%. Alors qu'il y avait des ressources pour financer les élections, mais comme il ne voulait pas qu'il y ait un œil sur ces mascarades électorales, il a dit, non, gardez votre argent. Moi je suis un pays souverain, je finance. C'est tout parce que ce n'était pas une élection. Et après les élections, on a prédit le pire, que le Guinée allait connaître des moments difficiles. Oui, bien sûr. Du Premier ministre. Mais si la gouvernance reste la même,
le clan va continuer de s'enrichir. Les entreprises vont continuer, les entreprises amies vont continuer à s'enrichir et le peuple va continuer à souffrir. C'est ça, malheureusement. Monsieur le Président, on me signale qu'il nous reste 15 minutes. On avait donné ce temps d'antenne aux téléspectateurs qui vous écrivent et qui vous posent leurs questions. Il y a un premier qui souhaite savoir si vous avez une idée de ce que le troisième mandat a coûté aux contribuables guinéens. Non, je n'ai pas de chiffre précis. Mais je sais que le troisième mandat a coûté le non-entretien du réseau routier. Il n'y a pas eu d'investissement nouveau, il n'y a pas eu d'entretien du réseau routier. Aujourd'hui, vers n'importe quelle destination, c'est le calvaire. Je sais que pour 2020, le budget de développement, du développement, n'a été exécuté qu'à 5%. Je sais que aussi, les recettes minières qui sont tombées dans les caisses de l'État étaient faibles. Et si bien que, évidemment, mais je suis sûr que ces recettes ont été perçues par d'autres voies, sans doute par des individus qui contribuaient au financement du troisième mandat. Je n'ai pas de chiffres, je n'ai pas évalué cette course. D'abord, ce qui est le coût le plus lourd, c'est le recul de la démocratie. C'est le recul, c'est la violation de la parole donnée, du serment. C'est la violation des principes et des règles de l'état de droit. C'est la violation des droits humains. N'oubliez pas que la lutte contre le troisième mandat a coûté 99 vies, les manifestations du FNDC, dont une trentaine enterrées nuitamment en pleine forêt pour faire disparaître les traces. Les violences postées, c'est le cas, 47 personnes. En prison, 4 personnes. Voilà des coûts élevés parce que quelqu'un a voulu violer son serment, s'octroyer une présidence à vie. Il a déclenché des violences contre les adversaires du troisième monde. On a plus de 150 personnes mortes. Non seulement il y a la négation de ces crimes, mais il y a le refus de la justice pour eux et pour leurs proches. Voilà des coûts élevés. Et malheureusement, on ne voit pas d'issue. Si vous n'étiez qu'un simple observateur et que quelqu'un vous tire pour dire, écoutez, Alpha Condé, il fait ça, c'est nous donner, il campe sur sa position. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Comment est-ce qu'une telle situation, comment on peut la dénouer? Le sursaut du peuple, il faut que les Guinéens prennent conscience. Vous pensez qu'on peut ramener le d'accord et attendre? Non, il faut qu'ils se mobilisent pour exiger. En quoi faisant? Oui. En quoi faisant? D'abord en dénonçant. Mais ensuite, il faut que... Je parle de la mobilisation. La mobilisation est légale avec la personne courue. Il y a eu quand même une sortie spontanée de Sénégalais qui a obligé, disons, l'appareil judiciaire à un peu reculer. Est-ce que vous pensez que les Guinéens ne sont pas suffisamment mieux ou suffisamment engagés pour défendre de telles positions? Ah si, les Guinéens ont fait preuve de beaucoup de courage. Vous étiez là, les manifestations du FNDC. Contre le troisième mandat, 1 500 000 personnes. Mais la corruption, y compris des forces de défense et de sécurité, la répression sanglante qui a été infligée aux manifestants à Conakry, à Sérékouré, à Mamoun, à Labé, à Pita, à Dalaba, partout où ces manifestations avaient pris une certaine ampleur. Mais le combat pour la liberté, le combat pour la démocratie exige des sacrifices. Il faut qu'on apprenne à les consentir. Okay. Vous pensez que cette corruption, le recrutement au sein de l'opposition, ça a tué toute possibilité de manifester en Guinée? Non, pas du tout. L'UFDG est prête. Croyez-moi. L'UFDG n'a pas été affecté par ça. Là, les centres sont fermes sur leur position, pas de recul. Okay. Donc ça, vous pouvez être sûr. Renseignez-vous à Télémélé qui est un fief imprenable de l'UFDG. Et partout, à Conakry, les gens savent que la vérité est de notre côté. Que notre combat vise à faire en sorte
que la Guinée soit un pays démocratique, un pays où les transhumains sont respectés, un pays où les richesses nationales sont utilisées pour le bien-être de tous les citoyens et non au profit d'un clan. Ce combat, on va le mener et on va le gagner. Le président du Sénat guinéen, Amalou, n'est pas tendre envers le président. Il s'en est même pris le président à Accra récemment par rapport à la fermeture des frontières guinéo-sénégalaises et autres. Comment comprenez-vous ces réactions de l'Union? Ils ont des conflits entre eux, Alpha et Ambalo. Bon, ça, ils gèrent ça, ça ne me regarde pas. Ils sont chefs d'État, ils ont des conflits, je crois, anciens. Bon, ils gèrent ça comme ils veulent. Pourquoi Ambalo est proche de vous? Bon, on peut toujours le penser, je le connais, oui, je le connais, mais c'est pas. Ces conflits avec Alpha ne datent pas de maintenant. Vous êtes en contact et vous avez de glisser des messages? Non. Il y a un autre téléspectateur qui nous écrit un même message qui parle, qui rappelle que c'est le défunt Bamamadou qui vous avait, disons, mis à la tête de l'UFDG, qui vous a accompagné aux États-Unis et ailleurs pour vous présenter à ses militants et demander à tous ceux qui lui faisaient confiance de vous accompagner. Il rappelle que vous avez été candidat à 3 reprises, que les militants et sympathisants vous ont accompagné, et il a demandé s'il vous arrive de vous dire que peut-être il faut penser à un successeur. Est-ce que ça vous arrive de penser à un successeur? Bien sûr, tout homme responsable, à un moment donné, j'écoute la base, j'écoute mon corps, et puis s'il y a lieu, naturellement, je les écoute. Et le moment venu, vous êtes prêt à désigner quelqu'un et à l'accompagner? Ah, bien entendu, pourquoi pas. Vous avez déjà pensé à nous? Non, pas pour l'instant. Je m'en sens, grâce à Dieu, suffisamment fort et je bénéficie de la confiance de mes militants encore. Je ne sens pas vraiment le besoin. Naturellement, j'y pense et j'écoute mon corps et j'écoute la base. Vous pensez donc pouvoir être candidat aux prochaines élections? Ça dépendra du parti et de tout ce que je viens de dire, de mes partis. Et puis, continuer le combat et pour voilà, et accéder au pouvoir, récupérer ma victoire, accéder au pouvoir, échanger la Guinée, réconcilier les Guinéens et promouvoir un développement au profit de tous les pays. Vos adversaires disent que vous avez une santé fragile. Mais je ne sais pas, moi je ne le sens pas pour le moment, c'est mes adversaires qui sont. Pour le moment, je continue de travailler, je me sens lucide, je réfléchis, je travaille beaucoup, j'écris beaucoup, et puis bon, voilà, pas un livre pour le moment, mais je mène mon combat, tout ça, je ne me sens pas. Vous êtes quand même l'un des grands leaders de l'Afrique, et vous êtes membre de l'international. Et libéral et de beaucoup d'autres structures, vous grimez des foules, ça même les adversaires le reconnaissent. Est-ce que, au-delà du parcours administratif que vous avez eu, qui est élogieux, est-ce que ça vous arrivait, jeune, de penser à une telle carrière? Oui et non. Oui et non, pendant la Révolution, parce que c'était une période de mon adolescence, j'étais déjà commissaire de classe lorsque j'étais au collège, et au lycée, j'étais membre du conseil d'administration du lycée, et puis je suis venu avec ce mandat polytechnique ici, à l'ITEGAN. Bon, on ne pouvait pas ne pas, les gens qu'on rencontrait, les ministres, les jeunes ministres à l'époque, on avait des contacts naturellement, on pensait toujours peut-être un jour être aussi comme eux. Ça c'est évident. Mais mon engagement politique, pour faire la politique comme ça, c'est venu comme ça. J'ai quitté... À tout hasard, après le gouvernement ou bien la loi? Après le gouvernement. Parce que j'ai été appelé... Justement, on dit que c'est le décret. C'est vous d'aller limoger pour faute lourde, que c'est ce qui vous a poussé à vous engager? Non, pas du tout. Bon, ça, on a expliqué comment ça a été fait, les auteurs même de cette... Mais c'était quoi cette faute lourde? Non, il n'y avait pas de faute lourde. Il n'y avait pas de faute lourde. C'est d'avoir défendu le dossier Sonatel?
Non, il avait comblé le président de la République. La mission du fonds est arrivée, pour revenir rapidement sur ça. Oui. D'abord, après, lorsque je suis arrivé Premier ministre, il y avait une crise économique sévère. J'ai élaboré un programme de stabilisation. Je suis allé en France, j'ai rencontré les autorités françaises, le nouveau Premier ministre. Je suis allé à Bruxelles, j'ai rencontré les autorités, Louis-Michel qui était commissaire au développement. Il y a eu un coup de foudre d'ailleurs entre lui et moi, automatiquement. Coup de foudre. Oui, effectivement, on est resté des amis jusqu'à maintenant. Ouais. Et puis, bon, je suis allé à Washington, j'ai rencontré Condoleezza Rice, j'ai rencontré tout le monde. J'ai au fond Wolfelson à la Banque mondiale, au Fonds monétaire. Le programme était bien. Je sais comment le faire. C'est un exercice auquel j'étais habitué. Ils ont dit, moi, il faut mettre le programme en œuvre. Et puis, au terme de ça, on vous donne un programme formel et le point d'achèvement de l'initiative d'étude. Toute ma bataille, lorsque j'étais ministre, c'était atteindre le point d'achèvement. Alors, je suis venu, on a mis en œuvre ce programme de stabilisation. J'ai eu du conflit avec beaucoup de gens pour l'année 2005. Alors, et puis 2005, on a ramené le déficit budgétaire de 14% à 0,8%, hein, ce n'est pas dit. Matkabaïla, il était le ministre des Finances. On a vraiment mis en œuvre les réformes. Si bien que le fonds était satisfait, ils sont venus, la mission est venue en mars. On a négocié, ça a correspondu à une période de grève, parce que j'avais demandé, obtenu aux syndicalistes une trêve sociale d'une année. En leur expliquant, voilà, la situation économique. Et puis, je me suis mis maintenant à lutter contre les dérapages. Les premier bras de fer avec Ibrahim Keïra, qui montre de la voix et du monde. Bon, je ne vais pas citer, donc j'ai essayé de mettre un terme au marché de gré à gré, aux dépenses extra-budgétaires, on a éliminé les monopoles, on a essayé de, voilà, de stabiliser un peu la monnaie et tout ça. Et puis, bon, le fonds est venu très satisfait des résultats de l'année 2005. On a élaboré le programme de 2006. Et puis, voilà, on a fait signer la lettre d'intention, le mémorandum de politique économique. Et on a dit point d'achèvement novembre 2006. Alors, c'est dans ce contexte-là que le gouvernement est arrivé. On a géré d'abord la grève avec l'Assemblée, on a pu sauver en tout cas l'essentiel du programme sans céder à la pression, le conflit de la personne qui a se donné. Bon, on a donc le programme, nous l'avons passé au conseil d'administration en avril, et puis en tout temps, il y a eu ce gouvernement. Deux semaines durant avec le président Lansana Conté. Et puis après, il a signé. Lorsqu'il a signé, le prochain n'était pas content. On a dit, bah, voilà. Et puis finalement, moi-même, ça c'est des détails. Il y a des témoins qui sont encore aux affaires. Hein. J'ai demandé, alors, on a annulé le décret. J'ai dit, bon, maintenant, je n'ai plus le choix. Je démissionne. Demander au président Malégué par l'intermédiaire d'une personne, par respect pour tout ce qu'il m'a fait, je savais qu'il a cédé à des pressions de toutes sortes, mais je rédigeais ma lettre de démission. Bon, je crois qu'on lui a dit ça, et puis il a signé le décret. Il y a des témoins pour ça, une caméra, tout ça, rien. Oui, parmi les questions envoyées par nos téléspectateurs, il y a quelqu'un qui dit que des analystes mettent à votre crédit le rétropédalage du gouvernement dans sa volonté de démolir des habitations, la volonté d'augmenter le prix du carburant, alors que vous-même vous savez qu'ils ont besoin de recettes, que les critiques que vous avez formulées à l'occasion de vos assemblées générales ont permis pousser l'État à changer d'avis et même à demander des audits pour ce qui est du chef de l'État par rapport à la gestion des deniers publics. Écoutez, si mes discours ont pu y contribuer, je ne peux qu'en réjouir. Moi, je dénonce la mauvaise gouvernance dans toutes ces manifestations. C'est vrai, j'étais ému lorsque j'ai vu ces luttes de serre, cette telle mécanique,
démolir des habitations de pauvres citoyens. Parfois, c'est des habitations construites grâce à des efforts de plusieurs années d'épargne difficile et tout ça, sans ménagement, vraiment, comme si c'était... Et le comble, le Premier ministre déclare à l'Assemblée qu'il n'était pas au courant. Oui, mais c'est comme ça qu'ils font. Ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître leurs erreurs. C'est ça aussi. Sinon, personne. Ce soir, ils sont complètement irresponsables. De Kaloum jusqu'à Dubreka, au-delà, des villes désertes viennent détruire tout ça. On dit qu'on n'était pas au courant. Où ils étaient? En tant que gouvernant. Bon, j'ai dénoncé ça, bien sûr, je suis allé même sur le terrain. Sur le pétrole, j'ai dit encore, je répète, ce n'est pas, nous sommes à la veille de la période de soudure. Le réseau routier est dans un état désastreux. Pour envoyer une tonne de riz à Télémélé ou à Sigri aujourd'hui, par contre, de l'état de route, vous avez ça, obère les prix de vente aux consommateurs. Et lorsqu'ils disent que c'était subventionné, j'ai mis en évidence que ce n'est pas subventionné. C'est qu'on n'a pas le prix qu'on souhaite, mais on prélève des impôts sur chaque litre acheté à la pompe. Il y a une part qui revient directement à l'État ou à ses démembrements. Et lorsqu'ils disent qu'il y a un risque d'exportation parce que tous les pays à côté ont des prix à la pompe supérieurs ou non, c'est faux. La Sierra Leone et Libéria sont en dessous. En Sierra Leone, c'est 8100 le prix du litre à la pompe, au Libéria, 7900. Nous sommes à 9500. Ça aussi, c'est faux. J'ai dit, bon, maintenant, peut-être que la flexibilité des prix doit s'appliquer, mais il y a des périodes de crise où le réseau routier, par la faute de l'État, est dans un état vraiment déplorable. Et ça obère les prix de transport. Les lames sort lorsque vous allez aujourd'hui à Télémélé, excusez-moi, je sais sur Télémélé, vous êtes arrivé ici, vous êtes sur un camion, vous êtes obligé de charger dans l'état de la route. Vous allez à Sigri, on n'en parle pas. À Zérekouré, vous faites 2000 km, vous venez votre véhicule, il faut le refaire, un camion. Alors, c'est ça. Je dis, le contexte est mal indiqué. Attendez au moins la période de la fin de la, au moment des récoltes, où les gens peuvent vivre peut-être de la récolte et non du riz importé qui doit aller. Quelqu'un d'autre voudrait savoir à quoi ont servi les rencontres que vous avez eues avec les membres de la communauté internationale. Est-ce que ça a permis de faire bouger les lignes et d'aller vers un dialogue avec les pouvoirs? Expliquer les lignes. Nous avons expliqué la position de l'UFDG par rapport à tout ce qui se dit et qu'on s'interdit la décision de parler de dialogue, de critiquer le cadre ou les hommes tant que nous sommes dans cette position, tant que nous ne sommes plus un parti qui jouit de tous ses droits. Nous avons des dirigeants d'un parti dont les droits et libertés sont confisqués. On ne peut pas parler de ça, faire des commentaires pour l'instant. Et que nous restons fermes. Vous pensez que ça n'a rien apporté? C'est vraiment non, mais je ne peux pas dire qu'ils ont accepté, mais ils ont compris la position de l'UFDG. C'est une position. C'est quand qu'on peut comprendre vous-même, je pense. À un moment donné, certains militants même vous reprochaient ce manque de fermeté, mais aujourd'hui, il y en a qui pensent que vous êtes sérieusement dur et que cela pourrait vraiment augmenter les victimes et ne pas peut-être faire aboutir le combat. J'ai été toujours un dirigeant, un leader responsable. Je ne suis pas figé. Mais je ne suis pas aussi prêt à accepter n'importe quoi. C'est ça, je crois, la politique. Et à un moment, vous négociez avec le pouvoir. Oui, à plusieurs reprises. Les gens diront même qu'on m'a roulé de la farine à plusieurs reprises. J'ai négocié en 2013, sous la présidence de Zinit, un dialogue qui s'est ouvert. En 2014, sous la présidence de Maître Cheikh Sabo, ministre de la Justice. En 2015, avec... le gouvernement, en 2016 avec toujours le gouvernement et le gouvernement Bondé, mais jamais, et parfois directement avec Alpha. Directement avec Alpha ou le Premier ministre, parfois, on trouve un accord, mais après il n'applique pas. On a beaucoup de questions qui arrivent au même moment, Sampirine de l'Abbé, qui souhaite savoir quel est votre modèle en politique. Mandela. Et comment on va répondre? Mais il est tout différent. Mandela, au sommet de sa popularité,
il a décidé de partir. Il aurait pu rester. Il est parti. Mandela, c'est la tolérance. C'est la tolérance, le pardon, mais la fermeté sur les principes. Afra, c'est pas ça. Afra, c'est le désordre et les conflits. Comme je l'ai dit. C'est pas, c'est différent. Moi, je suis plus proche de Mandela que lui. Ça veut dire, Alpha n'a rien à voir avec Mandela. Oui, mais vous savez, pour nous autres, on n'a pas eu l'occasion de vérifier pour vous, sauf peut-être à la tête du parti. Et là, depuis votre arrivée, il n'y a pas eu de compétition au niveau de l'UFDG. Vous êtes le seul leader. Non, mais lorsque Mandela est sorti, je dis, je suis le leader, mais je suis élu. Quand Gawa et compagnie ont écrit, vous avez dit non, il revient à nous de... Non, ils n'ont pas, non. Ils n'ont pas demandé d'aller au Gabon. Ils disent que si, comme ils sont innocents, s'ils sont libérés, ça peut contribuer à ouvrir un dialogue inclusif. Vous avez peur de les perdre? Non, je sais que c'est déjà convaincu. Doucement, Gawa, Chirfba, Sendou Baldé, Blaise. Il n'y a aucun risque qu'on le récupère? Non, je ne pense pas. Aucun? Non. Par Alpha? Non, je ne pense pas. Mais si ça arrivait, ça allait quand même embêter l'UFDG. Bon, écoutez, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas envisager. Pour moi, j'ai du respect pour eux, leur engagement, les sacrifices qu'ils font. Je ne peux pas envisager et commenter. Mais c'est quand même des départs qui peuvent affecter le parti. Non, il n'y a pas de risque. Pour moi, je ne vois pas de risque. Donc, je ne me mets pas dans la position. On peut avoir des malentendus à l'intérieur du parti, comme toute grande organisation, comme l'UFDG. Mais je ne pense pas que ces hommes de conviction puissent rejoindre Alpha avec sa gouverne, tout ce qu'il a fait contre la Guinée. Vous avez des militants fidèles, des partisans très passionnés. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut se lever un jour et vous combattre au sein du parti? Il ne faut rien exclure. Ils peuvent combattre, ils peuvent, à l'occasion d'un congrès, quelqu'un peut être jusqu'à les candidats pour être secrétaire général, pour être président de l'UFDG. Ça, c'est un droit. Un cadre comme Gawa? Je n'ai pas identifié d'adversaire potentiel. Il y a des gens qui ont des ambitions, c'est tout à l'heure légitime, des jeunes. Oui. J'essaie de les approcher pour que chacun puisse s'exprimer et que peut-être si le choix devait me revenir pour choisir quelqu'un parmi les militants qui ont plus de... À l'inverse, est-ce qu'on peut s'attendre à vos rapprochements avec un certain Baouri, avec un certain Salim Bela ou même avec Bosman? Pourquoi vous les citez cela? Il y a des rapprochements. Il y a aujourd'hui, il y a sur l'arène politique, il y a beaucoup de leaders. Beaucoup se réclament de l'opposition. Certains. Bon. Nous avions déjà fait la paix à la FNDC. Mais on a vu une photo, en tout cas sur la toile, où c'est Baouri qui forcé vers vous. Non. Après, Baouri est venu à des réunions du FNDC au siège de l'UFDG. Non, il n'y avait plus de choses. Il a son parti, j'ai mon parti, rien n'exclut. Anti-parti. Maintenant, le conflit qui nous opposait est déjà éteint. Voilà, donc moi je n'ai pas de. Vous avez aussi des amis au niveau du pouvoir. Au niveau du pouvoir, le premier ministre c'est votre ami, c'est de l'autorité publique. Un certain Thibou Camara, c'est aussi votre ami. Est-ce que cette amitié continue ou bien... Vous savez, c'est très difficile de concilier l'amitié avec celle de Dalin et être ministre d'Alpha Condé ou son premier ministre. C'est très difficile. Mais c'est dans le domaine du possible. Bon, ça devient de plus en plus difficile, je crois, pour eux-mêmes en particulier. Je pense qu'Alpha, je note que c'est plus en plus difficile. En parlant d'eux, on peut désormais dire des anciens amis. Bon, il faut leur poser la question. Mais c'est vous qu'on a en face. Mais on a grandi, je dis toujours, je l'ai dit une fois à Kassouri, j'ai dit, tu sais, la politique c'est le cimetière des amitiés. quand il a terminé, je me rappelle de votre phrase, vous avez dit que s'il est venu pour le troisième mandat, il le trouvera sur sa... C'est ça, oui. Mais s'il est venu, j'ai dit, s'il est là pour défendre les valeurs, les principes et les règles de la démocratie, de l'état de droit, la protection du droit, je serai un partenaire. Si c'est le contraire, il me trouvera sur son chemin. Ça a été le cas. Monsieur le Président, c'est bientôt la fin. J'ai juste une petite question, parce qu'un jour ou l'autre, on parlera de nous
au passé, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on retienne de ces Dodanais? Voyez un homme qui a l'horreur de l'injustice et du mensonge. Merci d'avoir inauguré cette émission. C'est la fin de la grande interview, une première chez guinematin.com. Et nous avions comme invité Eladj Sembou Dalein Diallo, président de l'UFDG, à co-animer cette émission. Bachir Silla, merci Bachir. Merci. Merci Monsieur le Président. Merci. Et merci à Abdoulaye Mousso et à toute son équipe. Merci bien.